واش راكم يسامحكم؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة، كنتم تكونوا كاملين بخير على خير. مرحبا بكم نهار جديد، مرحبا بكم في حلقة جديدة. إذا كنتم حاضرين معايا في الصباح كانت نهاركم جديد مزيان، وإذا كنتم حاضرين معايا في العشية كانت صباحكم داز مزيان، وغدا ولا يوم الجاي يكون حسن إن شاء الله. أنا عارفكم شنو غادي تقولوا، جوج ديال الحوايج. علاش خرجت لهاد الفاست فايف السيمانة اللي فات ساشون كو لو كغون بخي داز هادي السيمانة؟ والحاجة الثانية علاش ما قطعش شعره؟ الحاجة الأولى أنني مرضت مرضى ديال الوقت، مرض الوقت واللي فين ما كتلقاش الوقت لا فين تصور لا فين دير المونتاج. دونك بيان ايفيدامون ما خرجش لكم الحلقه ديال الفاست فايف. بور ناس ديال يوتيوب ما خرجت كامل حتى شي حاجه، مي بور ناس ديال البودكاست كان عندي ان بودكاست ديجا بري انريجستري خرجتو على بلاص. اما الحاجه الثانيه ما تخافوش، في الغوبري ديال السعوديه في الفاست فايف غادي يكون هادشي ديجا مشخ. دونك فوالا، ما تنساوش ابوناو وهبطوا لايكيو لا فيديو، وليتس جو نبداو بلو برومي فاست فايف ديال 2023، لو برومي فاست فايف ديال هاد لا نوفيل سيزون. في الفاست الاول فغادي نهضروا على استيبان اوكون. الوغ موفي بلاسمون فلاغري في لو ديبار ديال لا كورس، 5 سكوند دو بيناليتي على اوبلا، بي دخل لي ستوند بور فير سي 5 سكوند، مي خرج بعشرة ديال لي سكوند باسكو دار ديك خمسة ديال لي سكوند بطريقه اللي هي غلطه او لو بلوتو ما كملهمش. دونك عطاوه 10 سكوند، بي فاش دخل لي ستوند باش يدير لي 10 سكوند خرج ب 5 سكوند اخرى. علاش؟ حيتاش مشى بالزربه في لا ليني دو ستون. اي ابري سا اي بان تو سا كومولي لا كورس دي ستيفان اوكون سالات مالوريزمون، اي دونك ليكيب البين ديسيداو انهم يحبسوا ستيفان اوكون كوم سا يحافظوا على الموتور باش يكون بوكو بلو بيرفورمون بور لا كورس بروشين. Pour le deuxième fast riding car chez cette voiture rose, donc chez Alpine, et on va parler cette fois de Pierre Gasly de P20 à P9. Enfin, une seconde de Bottas à la P8. Rien ne s'est bien passé pour Pierre Gasly le samedi aux qualifications parce que, bien évidemment, il a terminé dernier. Contrairement à Esteban Ocon qui, lui, il a pu glisser sa voiture derrière le top team quand même. Les quatre top teams, bien évidemment, on va en parler. Bon, bah, pour moi, Pierre Gasly, il mérite amplement le titre de Driver of the Day, même avec la belle performance de l'Aston Martin, de Alonso. Il a mérité parce que, quand même, il a pu dépasser 11 voitures sur piste et bien sûr en pit lane, mais il a pu dépasser 11 voitures. Donc, bien évidemment, moi, j'ai voté pour Pierre Gasly, mais bon, on est quand même heureux que l'Aston Martin l'a pris. Et donc sur ce troisième Fast Five, on va parler de cette Aston Martin. Alors Alonso, lui qui a terminé sur le podium, Alonso a du coup commencé cinquième, puis il a fait de très très bons tours, bien évidemment il a dépassé George Russell, il a dépassé Hamilton, il a bien sûr dépassé Sainz avec l'abandon de Charles Leclerc, et du coup il s'est glissé sur cette dernière marge du podium. Bien évidemment, comme on l'a bien prévu, cette Aston Martin, elle est très très forte quand même. Pour vous dire que Alonso, il était dans les temps de Max Verstappen. Et bien sûr, qu'un wahel mabinat les autres voitures, donc ma kan jbi imkano annahu ilhaq ala Max Verstappen. Mais je peux vous dire que sur Jeddah, il a sarahatan dar une très très belle qualif ou tklasa juste derrière les Red Bull. Voilà, il va pouvoir annahu ilhaq alayhom ou annahu pourquoi pas ilhaq. Et comme bien sûr l'a dit Perez, ça fait du bien de voir trois Red Bull sur le podium. Oui, parce que ils ont volé tout le châssis à Red Bull, hein, ça on le sait, mais on le laisse garder. Très très belle appréciation de Alonso. On va justement parler de Lance Stroll parce que ce mec-là, il va falloir le saluer. Sur cette quatrième réaction, il faudra saluer bien évidemment Lance Stroll. Le gamin, il a fait ses preuves sur cette course quand même, hein. Faut pas se contrarier sur ceci. Il place sa voiture à 6 dixièmes derrière Fernando Alonso, qui fait un peu beaucoup sans faire vraiment trop beaucoup. Bien évidemment, il faut savoir que Lance Stroll a un poignet cassé et que, comme on l'a vu en FP1, il s'économisait beaucoup trop, surtout sur le premier virage où Kankedor Rebid Duhda. Bah, elle dit qu'un qui est tard parce que, bien évidemment, le fait de tourner, ben là, ça contracte le poignet, donc ça fera beaucoup mal. On l'a même aussi vu sur l'accrochage d'Yalo à Fernando Alonso sur le premier virage de la course. Mais bien sûr, il a passé des checks médicaux auprès de la FIA et il a été déclaré apte
Donc, bien évidemment, il est out. Et pourquoi je dis que ça fait pas beaucoup? Parce que, bien évidemment, contrairement à Fernando Alonso, Alonso Lidal, deux jours, la voiture à Bahreïn, il y a 2-3 semaines de là. Bah, lui, il gagne juste 3 séances, soit en FP1, FP2 ou FP3, pour pouvoir s'habituer à cette voiture. Et il se place à la 7e place quand même. Alors, que peut-on lui demander de plus? Alors, pour vous dire qu'un fight à 4 équipes à Jeddah, mais chez Hajjal est impossible. Et c'est même beaucoup plus possible que ce que vous croyez. Cinquième et dernier fast ou le Hajjali Tadar Darsi Wahdin. Là, pour moi, ça n'a vraiment rien fait parce que je m'y suis habitué. L'abandon de Charles Leclerc. Problème de l'unité de contrôle de l'électronique. Finalement, je l'ai dit parce que je vous dis pas combien de fois est-ce que je l'ai répété. Sachant que juste avant la course, et aussi les batteries à la nuit d'Yel les qualifs, et on a quand même ce problème de fiabilité encore. Alors bien évidemment, c'est pas parce que tu as amélioré ta fiabilité que ton moteur il ne va plus jamais casser, mais il va falloir que ça se reproduise une ou deux fois de plus dans la saison, vraiment pas plus, genre vraiment maximum 3 fois sur la saison. Pour l'équipe, hein, j'ai envie de dire. Pour l'équipe, et non pas pour le pilote, parce que même ça, ça va faire beaucoup du mal. Alors, ces dynamiques chez Ferrari, cette année, ou même l'année dernière, me rappellent vastement la dynamique d'Yel Mercedes l'année 2021 ou 2020. Fin, Anna, Hamilton, il était vraiment Qdam, ou fin, Verstappen, il faisait des undercuts ou des trucs comme ça, parce que il pouvait rien faire sur la piste. Et où malheureusement, on sacrifiait le petit Bottas pour défendre sur Verstappen. Et là aussi, c'est la même chose, sauf que cette fois, Leclerc, il est devant et Sainz, il est derrière. Et pour que Sainz, il aide Charles Leclerc, il peut totalement pas parce que Sainz, il est à 10-15 secondes derrière. Et donc, il est très très loin de foutre la pression à Pérez parce qu'il est beaucoup loin et Pérez, même s'il lui fit un tout petit peu la pression, il n'est pas assez grand pour que Pérez commence à voir sur ses rétros au lieu de voir Charles Leclerc devant lui. Et au bout d'un moment sur cette course, on a vu tout le monde en train de courir la stratégie de tout le monde parce que la bataille de Aston Martin et des Mercedes, ça a fait que Carlos Sainz a dû rentrer un tout petit peu plus tôt pour couvrir cette bataille derrière lui. Et du coup, Verstappen, Perez et Leclerc, eux aussi, pour couvrir la stratégie de Sainz. Et donc, on est rentré très très vite sur cette dynamique de le premier qui couvre la stratégie du deuxième, qui couvre la stratégie du troisième. Et donc, à la fin de course, tout le monde roulait sur les jantes. Parce que bien évidemment, les pneus se sont très très bien dégradés. Même si bien évidemment, la dégradation est bien évidemment beaucoup plus supérieure chez les Ferrari. Et bien évidemment, Carlos Sainz a bien pu retenir Lewis Hamilton derrière lui. Et donc, voilà la fin de la vidéo de Jelna Radit. Salut, on va se retrouver, Inch'Allah, en Hartnin Jay pour le Fast 5 d'Yel, le Grand Prix de Jeddah, un Grand Prix que j'adore, un circuit que j'adore beaucoup, Salah Hassan. Même si on a quelques petits mauvais souvenirs avec, on va parler de 2021, bien évidemment. Mais pour le moment, Radin Khalil Komilaj, je vous mets du message, dès le like, car vous êtes comme Inch'Allah.